Ok, attends, je suis allée chercher ma commande chez Scrapbook Pop. Fait que je vais faire un petit live. Un petit live, je vais travailler dans mon petit mix média watercolor. Allô Gwen, allô Elisabeth. Là, je suis contente, là, j'ai reçu mes Pixie Pens. Oh my God! Je suis vraiment, mais vraiment contente. Puis ben, vous savez, là, moi je suis... Fait que j'ai reçu ça. Regardez ce que j'ai reçu. Sérieusement, là, allô, sont 14,99 chez Scrapbook Tendance, puis ça vaut vraiment la peine. Oh, j'aime ça, ces broches-là. Ben, écoute, c'est la première fois que je vais les avoir. Regardez comme ils sont belles. Allô, Claudine. Celle-là, je vais la trouver le fun parce que avec le tricot, c'est vraiment magnifique. Ça va faire des super de beaux. Alors, je travaille dans mon petit ordinateur aujourd'hui. Puis là, ben, j'ai reçu plein de couleurs de Versatile. Fait que là, j'ai encore plein de stencils. J'ai ça. Stencils. Oh my God! Ah, regardez comment c'est hot! On y est. Bon! Alors, on est parti. Je vais vous virer de bord. Ça soit mieux. Là, vous allez voir mon bordel en même temps. Kate, dis-le pas trop fort, s'il te plaît. Il faut pas le dire trop fort. C'est toujours Noël. C'est toujours Noël. Puis, ah, regardez ce que j'ai nouveau. J'ai... C'est du Glamour Gel à base d'eau. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est Stemperia qui fait ça. Fait que... On va se prendre un petit quelque chose. On va se prendre un peu d'eau. Bon. Ben. Juste les brosses, les Pixie Pens, là. Je sais que j'ai pris le gros... Mais tu sais, je fais beaucoup de blending. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à en prendre, tu sais, OK. Donc, j'ai décidé qu'on va prendre mon petit album multimédia. Je l'ai trouvé. C'est... Oh, il n'y a pas de trouble, ma belle. Ça, c'en est un autre. Tu sais, j'en fais beaucoup. Puis lui, je l'ai trouvé. J'ai commencé à faire mon ménage, fait que je l'ai trouvé. Fait que moi, j'aime ça... On a plusieurs, fait que on va y aller. Pas lui, on va faire. Je veux avoir deux choses d'accord. OK, on va faire ça. Comme ceci. Là, je viens comme un peu le... Oh non, je suis sûre que je le regretterai pas. Puis là, j'ai encore d'autres couleurs dans les Magical. Puis là, je suis en train de me demander si elle, je ne l'ai pas. Je pense que je l'ai utilisé hier. Fait que, on va voir. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que, on va... C'est un freestyle. Fait que, je sais pas ce que je vais faire encore. Fait que, je pense qu'on va travailler avec ma petite madame ici. Je vais travailler avec celle-là. Je sais pas trop ce que je vais prendre encore. Je vais au moins sortir. OK. Bon, je vais essayer. Bon,
sais, je me suis ramassée. Ben, pas tant, là, mais je sais pas. Là, c'est rare que je commence pas par le fond, mais c'est parce que je veux vraiment l'intégrer à la truc. Je me demande si j'irai pas. Oh non, il faut une nuit. C'est dans le noir, il faut que j'aille, vraiment. Je suis avec la VersaFine. C'est une grosse affaire. Je vais juste essayer. Oh mon Dieu, elle est écœurante, mon étampe. Puis là, ben, tu sais, vous voyez là, les petites affaires. Là, les petits... Ça, c'est le papier aquarelle qui fait ça. Parce que le papier aquarelle, il y a comme. Il y a toujours des petits trucs. Là, fait que... Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Là, je vais attendre parce que des fois, c'est pas sec, mais là, elle a de l'air sec. Super. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, mais... Bon. OK. Bon. C'est fini. Non, c'est... Ben non. Je suis en train de me demander c'est avec quoi je vais travailler. Ça, c'est fait. OK. Ça, c'est beau. Je suis en train de me demander si j'aurais pas... Ah oui, je vais prendre les... Ouais, j'ai fait mon choix. Je vais voir si tu vas travailler avec les aquarelles. Alors moi, j'ai beaucoup d'acrylique fluide. J'ai toutes les couleurs. C'est de Finabar. Je les adore vraiment. Ça se travaille vraiment bien avec l'eau puis avec le gel médium ici, là. Vraiment. J'adore. Puis on va travailler dans les tons de bleu turquoise. Et j'essaie-tu. Magenta. Mauve. Je vais aller avec une petite couleur un peu contraste. Allô, Marie-Josée! Ok, le orange. Ou le rouge. Bon, on va voir. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Donc. Ce qui est le fun avec ces acryliques-là, c'est qu'ils se travaillent, tu sais, ils sont pas épais. Fait que ça va super bien. On a mon médium ici. Donc, puis, ce qui est le fun, justement, avec ces aquarelles-là, c'est qu'on peut les mouiller pour avoir à aller chercher un peu. On va aller chercher comme ceci.
Donc, je vais aller retravailler ici un peu avec ma couleur. Je vais essayer de mettre un peu de bleu. Et voilà, on va faire descendre tranquillement. Mais tu sais, je veux pas nécessairement aller jusqu'au bout, là. Allô, Christelle! Ça va bien. Alors, puis là, je sais qu'il est... Bon. Je sais qu'il est un peu... Puis je veux un peu... Juste un peu... Oh mon Dieu, elle est écœurante cette temple-là. Vraiment. Alors voilà, je vais juste ça. Je vais la faire chauffer. Allô, Lise! Ah, écoute, moi, j'ai pas ça. Regarde, là, on voit un de mes cheveux. On dirait que j'ai un cheveu là, mais je suis pas sûre. Ben moi, je les ai comme tout achetés. Je pense que je suis un peu acheteuse compulsive. En tout cas, mon conjoint vous dirait ça. Là. Ben, surtout au niveau du scrap. Là. Puis je vais juste reprendre un peu. OK. Génial. Ben, on est toutes des acheteuses compulsives. Peut-être pas, là, mais... Je vais déjà mettre des gouttes de rouge. Vu qu'il est là. Comme ceci. Puis, ce que je pourrais faire aussi, je sais si je m'approche. Ça, c'est comme un plastique. Je vais essayer d'aller travailler en... C'est la technique un peu de plastique. Avec la couleur un peu plus foncée. Et voilà. Je vais me nettoyer un peu. Oui, t'as raison, Christine. J'aurais dû. Bonjour, Chantal. Ça va bien. Ça, c'est un truc, tu sais, pour que le papier ne gondole pas trop. Là, je viens vraiment travailler de l'autre côté. Bon. Fait que là, je suis en train de demander. Ça, j'ai jamais utilisé. C'est une nouveauté. Je la découpe avec vous.
c'est un gel à base d'eau. Fait que... My God, ça a l'air super hot. OK. On va essayer ça. On va essayer ça. Ça shine, certain. Puis on va essayer ça. C'est tant qu'à avoir du nouveau matériel, on va l'essayer. Fait que là, c'est comme un gel. Fait que, tu sais, j'ai comme peur un peu qu'il y ait en dessous de mon stencil, mais je pense que ça va être pas si mal. Même pas si mal. On aime ça. Puis on va aller travailler. Bon, j'irai pas travailler avec la Swatch. Yes. Vous faites bien de me watcher. Ça, je vais sortir un petit stencil. Je veux juste regarder. Voyons, c'est où mon kit de temps? Ok. Ça, c'est beau. Fait que là, il manque un peu de blanc. Tu sais, les couleurs sont pas qu'ils sont trop foncées, mais là, il manque de blanc. Je regarde qu'est-ce que je vais mettre comme pencil. Je vais mettre ça là. On va sécher. Ça a vraiment de l'air bien. À mon avis, il est aquarellable. Parce que si le gel est à base d'eau, le système Paria qui fait ça. Ici. C'est Glamour Gel. Water Based. Quand c'est fait à base d'eau, habituellement, on est capable de l'aquareller. Oui, ça a l'air à ressembler. Mais le glaze de Vicky-Boutin, si je ne me trompe pas, il est un peu plus épais. Ça, fait que, on va faire ça. Puis là, ben, c'est sûr que je vais aller plus vers du rose pour aller chercher ici celui-là. Là. Fait qu'on va travailler avec un. Merci. Je ne sais pas si vous suivez Timos, mais il y a une super belle couleur qui est sortie. Flamingo Kitsch. Kitsch Flamingo. Vraiment, elle est magnifique. J'ai hâte de la voir. Puis là, si ça fait pas, je vais prendre directement je vais prendre directement mon acrylique pour vraiment aller chercher la même couleur. Et voilà. Puis là, tu sais, j'ai comme tout enlevé l'eau de mon pinceau.
était, tu pourrais aller là. Et voilà. Là, avez-vous vu, là, j'ai fait vraiment quelque chose que j'aime pas ici. Là. On voit vraiment le carré de mon étang. Fait que je vais travailler à un peu l'enlever pour pas que, tu sais, je veux pas que ça fasse ça. Je veux vraiment pas. Je veux vraiment pas. Alors, on va s'arranger. Autrement. Ta maison des gens. Ben, je pense. Là, je prends mon anglais. Je les mets en noir pour les refaire sortir le plus possible. Il manque de quoi? C'est pas drôle, hein? Je me pose la question. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Dites-moi ça. Dites-moi ça, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque un petit quelque chose? Il manque de temps de fin. Je pense que oui. Il manque de temps de fond, petit patapon. Je vois avec ma cage à poule. Ouais, j'aurais pu prendre le cœur. Je sais pas. Oui, c'est sûr que si je prends le cœur, je vais revenir. Je suis mis mon cœur. Oh, Christian regarde. Mon amoureux regarde. J'ai tant moi surpris. Oh my God, ça va tellement faire sortir mes affaires. Ouais,
Fait qu'avez-vous vu, je suis capable d'aller travailler à le changer. Ça, j'en avais un autre. Je vois juste si je l'ai comme... Coucou Anne-Sophie! Là, je vais lire un peu. Je suis comme un peu venue le... venir le chercher un peu plus. Oui. Vraiment, c'est vraiment très beau. Là, je vais travailler un peu le gel. C'est ce que j'ai mis ici, là, le gel de Stamparia. Je vais essayer de le travailler sur, sur un peu ici. Là. Et effectivement, ça va être très joli. Je pense que ça va être tout après. Oh my God! Yes! Hey! Puis là, ben, tu sais, j'ai fait exprès ici là, pour pas mettre de peinture parce que, tu sais, c'est le visage de ma madame. Hein? Fait que j'ai vraiment, c'est vraiment voulu. Tu sais, je pourrais même travailler un peu avec. Mais là, ça va être too much, là. C'est genre, mais c'est trop. Hey, c'est un petit mini live. Ah oui, le vert, écoute, sérieusement, là, je sais pas si c'est cela. Fait que, tu sais, j'ai utilisé ces trois couleurs-là, des acryliques liquides de Finamère. Si vous avez pas ça, sérieux, vous passez à côté de quelque chose. C'est comme... Ça glisse, c'est vraiment trippant. Il y a des nouvelles couleurs. En tout cas, si vous en voulez, je sais que ce sera en bout de tendance, les ont en précommande, puis qu'ils les ont en boutique dans les albums. Fait que c'est vraiment génial. Ça, c'est un nouveau produit que j'ai. C'est Glamour Gel base d'eau. Vraiment super. Ça se travaille hyper bien. Ça sèche super vite. C'est déjà sec. Pâte à papier, Posca, treillis. Puis tu sais, je pourrais même rajouter ici le petit Create Magic. Create Magic. Puis là, tu sais, on les voit pas mes écritures. Puis je vais travailler un peu à les remettre un peu d'aplomb. Zing, 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 zing. Yes. Fait que... je vais aller travailler en doodling. Même si on les voit pas beaucoup, ben, au moins ça les met en valeur. Et voilà. C'est-tu pas beau? Fait que ça, c'était Now is the right time, là, le kit de tente là, que j'ai utilisé avec les madames. Après ça, regardez ce que j'ai aussi. C'est Trust the Magic. J'ai aussi Dare to Dreams. Allez, regardez comment les libellules sont belles. Puis là, t'as tout plein de gear, là. C'est 14,99 là.
Puis ici, t'as Tea on the Deck. C'est magnifique. Puis en plus, Puis j'ai aussi la Dream On qui est sur bois. C'est un petit cahier qui est fait par Prima. C'est le Mix Media Paper. Fait que j'ai plusieurs trucs déjà dedans. J'ai déjà commencé à travailler avec. Comme ça ici. Et regardez comment c'est beau. C'est pas grand chose. Mais c'est vraiment joli. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Hey, c'est donc bien beau, ça. Wow. Fait que j'en ai tout d'autres dans la vie? Non. Fait que je vais vous montrer ça de plus près. Fait que, regardez. La chose finie. Hein? C'est-tu pas beau? C'est vraiment ça. Ah! Nathalie, t'as-tu le petit cahier aujourd'hui? C'est le fun de travailler dans un petit cahier. Alors, sur ces belles paroles, vous serez guéris. Passez une excellente fin de semaine. Bye!